Aujourd'hui, nous parlons de six secrets pour réussir ton ministère. C'est parti. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va parler de ministère, mais même si tu n'es pas, entre guillemets, dans le ministère, euh, écoute ce podcast. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour toi. Euh, on va parler de comment réussir, mais tu peux l'appliquer à ton entreprise, tu peux l'appliquer à tes projets personnels, euh, mais particulièrement aujourd'hui, je vais m'adresser euh, au ministère, à ceux qui sont dans le service, à toi qui est impliqué d'une façon ou d'une autre dans le service pour Dieu. On va parler de comment faire pour réussir. Tu vas voir, je vais te donner des étapes qui euh, vont vraiment te permettre de remporter des grandes victoires dans ton ministère et de vivre des conquêtes pour la gloire de Dieu. Et je veux aussi t'offrir une masterclass. J'aime offrir euh, en plus de ce qu'on vit ensemble. J'aimerais t'offrir une masterclass qui s'appelle Comment atteindre les sommets de ta vie. Si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien c'est le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et si tu es en audio sur euh, podcast audio, eh bien tu iras dans la description. Euh, du podcast et euh, tu vas avoir accès à cette masterclass, un accès tout à fait gratuit. D'ailleurs, j'en profite si tu apprécies ce podcast, si tu écoutes régulièrement ce podcast, eh bien j'apprécierais, ce serait génial si tu pouvais laisser juste comme des étoiles, euh, plusieurs étoiles pour euh, ou des commentaires, mais surtout des étoiles pour ceux qui sont en audio, juste pour euh, et euh, pour euh, nous propulser littéralement ce, ce podcast pour que plus de gens puissent l'entendre. Alors aujourd'hui. Euh, je suis euh, personnellement impliqué dans le ministère depuis euh, plusieurs années maintenant, euh, trois décennies. Euh, j'ai fait des voyages un peu partout dans le monde, j'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai donné des conférences, j'ai fait des concerts, j'ai visité des centaines d'églises, j'ai croisé des leaders un peu partout dans le monde. Et il y a des éléments que si on les met en application, si on en est conscient, si on les vit dans notre vie, eh bien, on va avoir des victoires, on va avoir des réussites dans notre ministère. Je veux établir également euh, et dire que c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir. Dieu veut qu'on réussisse. Il participe à notre réussite, mais euh, on sait très bien, il y a des gens qui investissent des années de leur vie dans un ministère ou dans, une, dans un projet quelconque et ça finit mal. Ça finit mal, il n'y a pas de réussite à la fin, et même des fois, c'est des échecs majeurs. Et je veux t'éviter, je veux te prévenir et tout faire pour t'équiper, pour que tu puisses faire partie des gens qui réussissent. Alors, on va regarder ensemble à ces six secrets qui sont pas nécessairement des choses très difficiles, mais il faut en être conscient. Première chose qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est attention au succès. Je te souhaite tout le succès possible. Et c'est génial d'avoir des succès. C'est génial de démarrer quelque chose. Euh, par exemple, je donne un exemple. Tu démarres une église et après 2, 3, 5 ans, 10 ans, tu as des succès. C'est-à-dire que l'église vit une croissance. Il y a des âmes qui sont sauvées, il y a plein de gens qui joignent l'Église, il y a un groupe de louanges, il y a un impact, il y a des fruits. C'est génial. Moi, je te souhaite ça de tout mon cœur. Et peu importe ton projet, c'est génial de réussir, d'avoir un succès. Sauf qu'il faut faire extrêmement attention au succès. Par exemple... Le roi David a fait ses pires erreurs dans ses saisons de succès. C'est-à-dire qu'il est au top de tout, il a réussi, c'est génial, on n'a rien à apprendre de personne, ça marche notre truc, je suis au-dessus de mes affaires et j'ai l'impression que tout va bien. Et là, on est placé en position de, euh, de, de vulnérabilité parce qu'on pense être inébranlable, on pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Et c'est très dangereux des fois parce que en fait, un des voleurs de plus grands succès, c'est le succès que nous avons eu jusqu'à maintenant. Parce que rappelle-toi, si tu as eu des succès, rappelle-toi quand tu as commencé. Et toute l'ardeur, l'intensité, la passion, la soif d'apprendre, l'humilité même qu'on que, que, qu a lorsqu'on commence, parce qu'on se sent tellement petit, tout ça. Et là, on bosse, on travaille fort, tout ça. Et on commence à avoir des succès. Et parfois, le danger, c'est de justement penser que tout à coup, tu regardes autour de toi et tu vois que tu as réussi, on va dire, plus que la majorité des gens, et tu regardes tous les autres et tu es en avance. Et ça, c'est très dangereux de, de perdre l'énergie, la passion et l'humilité que tu avais lorsque tu as commencé. Alors aujourd'hui, je veux te rappeler, je veux rappeler toute personne qui euh, regarde ou écoute ce podcast que si tu as eu des succès, gloire à Dieu, je suis super heureux et je t'encourage encore plus de succès. Mais fais attention parce que tes succès peuvent te voler tes prochains succès. Donc ça, c'est la première chose. Pour réussir dans le ministère, il faut faire extrêmement attention au succès parce que j'ai vu au fil des ans plein... De ministères qui ont atteint un certain niveau de succès et qui par la suite vont être tombés en chute libre parce qu'ils n'ont pas pris garde. Deuxième chose qui va te permettre, et celui-ci est vraiment important, un secret qui va te permettre de réussir ton ministère, c'est s'il te plaît, demeure dans ton couloir. Demeure dans ta zone de génie. Demeure dans ce à quoi Dieu t'appelle. Chaque, chacun d'entre nous, on a tous un couloir d'excellence. C'est-à-dire que c'est la zone que Dieu nous a, pour laquelle Dieu nous a donné une faveur, une zone où il nous a donné une onction pour qu'on puisse le faire. Il, il est avec nous dans cette zone-là. On est doué pour euh, œuvrer dans cette zone-là. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on a des fruits. C'est là qu'on est heureux. C'est là qu'on est productif. Et malheureusement, il y a ce que j'appelle la séduction de l'image brillante. La séduction de l'image brillante, en fait, c'est quoi? C'est que tu as, t as des certaines réussites, on va dire, tout ça. Et là, tu vois d'autres personnes qui font autre chose que toi. Tu vois d'autres personnes qui ont des réussites dans autre chose. Et là, tu es séduit par l'idée mais ben moi aussi je veux je veux pas passer à côté de ça, je veux pas manquer ça et lui il fait ce lui démarre ce genre de ministère mais ben moi aussi je dois faire ça. Après ça, lui, il démarre une chaîne YouTube et ben moi ben, je dois démarrer une chaîne YouTube. Après ça lui il implante une église, mais ben, il faut que j'implante une église. Lui il écrit un livre, il faut que j'écrive un livre. Lui il fait un album musical, il faut que je fasse un album musical. Lui euh, il fait un, un programme international, il faut que je fasse un programme international. Lui il implante plusieurs églises, je dois implanter et là tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que il va toujours y avoir des images brillantes autour de nous Il va toujours y avoir des gens qui vont faire des choses extraordinaires, et phénoménales autour de nous et, et c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que toi tu dois être impliqué dedans. Ça ne veut pas dire que toi tu dois poursuivre ces choses-là. Parce que parfois, certains des, certaines des réussites ou des projets extraordinaires des autres impliquent que tu t'investisses un de beaucoup d'énergie dedans. Mais souvent, ce qui est pire que l'énergie et le temps, c'est que c'est pas ton couloir. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec excellence. Il y a des choses que Dieu ne t'appelle pas à faire. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas, les, pas, tu n'as pas, tu n'es pas équipé pour le faire. Et la séduction de l'image brillante, ben souvent les visionnaires, souvent les entrepreneurs, souvent les, les gens de vision vont tomber dans ce piège-là. Moi, je suis tombé dans ce piège-là, et, et je sais de quoi je parle. C'est que as envie. En fait, on veut tout, on veut tout vivre, on veut tout avoir, et là, on, on perd. Beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps, parfois de l'argent. Mais c'est surtout qu'on sort de notre couloir. Et un des pièges euh, qui a fait euh, échouer beaucoup de ministères, beaucoup de gens que j'ai côtoyés, c'est euh, la séduction de l'image brillante. C'est de sortir de ton couloir. En fait, je pense qu'un des pièges, un, un des, une des tentatives les plus fréquentes de l'ennemi, c'est de nous faire sortir de notre couloir. J'ai entendu quelqu'un un jour dire ceci, je, je, je l'ai pris en note, ça m'a tellement parlé. Il a dit "Deviens meilleur que ce que tu es en ce moment à ce que tu es vraiment." Et il a dit aussi nous espérons devenir quelqu'un d'autre au lieu de perfectionner qui nous sommes. Donc je le répète parce que c'est vraiment puissant. Deviens meilleur que ce que tu es en ce moment à ce que tu es vraiment. Ça ça implique de rester dans le couloir dans lequel tu es et au lieu de poursuivre une image brillante, au lieu de poursuivre quelque chose d'autre, euh, au lieu de, de faire comme les autres, au lieu d'être séduit, tenté de sortir de ton couloir, deviens meilleur dans ce que tu es, dans ce que Dieu t'appelle à faire. Deviens excellent, deviens au top dans ce que tu es vraiment. Et n'espère pas devenir quelqu'un d'autre, mais à la place, perfectionne qui tu es. Et ça, c'est vraiment une clé exceptionnel de réussite dans le ministère. Reste dans ton couloir et je comprends la tentation, je la comprends. Euh, on est tenté parfois d'explorer de, de, d'autres trucs, mais on a tous quelque chose qu'on a reçu, une zone de génie, une zone d'excellence. Et moi, ça a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai fini par l'accepter. Luc, c'est dans ça que tu es bon, c'est dans ça que tu as reçu. La faveur de Dieu, c'est dans, dans, en faisant ça que tu es bien, c'est pour toi, c'est fait sur mesure pour toi, tu es heureux là-dedans, tu portes des fruits là-dedans. Et Dieu t'a donné les, les, les dons et les capacités, reste à l'intérieur de ce couloir. Et donc, célèbre les autres, réjouis-toi pour les autres, bénis les autres, fais la promotion des autres dans leur couloir, mais toi, reste dans ton couloir. Je me souviens, euh, il y a un certain temps, j'ai lu un livre qui parlait, en fait, qui parlait d'un général très, très important aux États-Unis qui s'appelait euh, Ulysses Grant. Ulysses Grant a été un général euh, de, de, de l'armée américaine pendant la guerre de sécession. Et c'est un gars qui a eu des très, très, très grandes victoires. Et il a fini, en fait, la, la guerre quand la guerre de sécession s'est terminée, il était au sommet de sa gloire. C'est-à-dire qu'il a conduit vers des grandes batailles, des grandes victoires. Il était reconnu. C'était vraiment un méga succès. Euh, pour sa vie, c'était vraiment un gars d'armée, c'était un leader euh, d'impact, tout ça. Mais il a été séduit par l'image brillante et il a décidé de se lancer en politique et devenir président des États-Unis, ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait. Sauf que il est complètement sorti de son couloir d'excellence. Et on dit que à l'époque de Ulysses Grant euh, on dit que c'était la, la, la période, la, une des périodes les plus compliquées au niveau administratif américain. Euh, L'administration à, à l'époque était considérée comme corrompue, il était pris là-dedans, tout ça. ça. Ça a vraiment taché sa réputation, taché tout ce qu'il a fait. Et ça a été vraiment compliqué pour lui. Et quand il a fini... Euh, d'être président des États-Unis, il s'est lancé dans le business et là ça a été encore pire. Il a été pris dans des dans dans des histoires de fraude, de 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 Ponzi, d'investissement, tout ça, a été une galère épouvantable et au point où il a presque tout perdu et à la fin de sa vie, euh, il, il était sur le point, il était fauché complètement, il était sur le point de laisser sa famille dans la pauvreté, il a fallu qu'il vende tous ses souvenirs de, de 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 guerre, toutes les choses qu'il avait accumulées à cause de la guerre, les les les, les tous les trucs qu'il avait remportés à cause de de ses grandes victoires en, dans l'armée. Il a vendu tout ça avec pas mal d'argent. Ça a rapporté pas mal d'argent et c'est ça qui a assuré une succession financière à ceux, à sa famille après sa mort. Encore une fois, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que qu'est-ce qui ce qui l'a amené au top, c'est son couloir. De général d'armée, et ce qui a sauvé la succession et l'héritage pour sa famille, c'est encore quelque chose qui était connecté avec euh, ses, ses triomphes dans l'armée. Et moi, je crois que cet homme, à un moment donné, a été séduit par l'image brillante euh, je vais devenir président, je vais faire succès dans les affaires, et je crois qu'il est sorti de son couloir. Et c'est facile de, de, de porter un jugement, tout ça, mais qu'en est-il de toi et moi? Est-ce qu'en ce moment, je suis. Euh, je suis à cheval sur mon couloir et quelque chose d'autre. Est-ce que je suis sorti complètement de mon couloir? Et ce qui est certain, c'est que si tu veux réussir dans le ministère, reste dans ton couloir. La troisième chose qui va te permettre de réussir, c'est travailler de façon intelligente. Il y a plein de gens qui travaillent fort. Une des choses que je vois, et l'une des choses pour lesquelles, bon, il y en a quelques-uns, mais la majorité des gens que j'ai côtoyés dans ma vie, dans le ministère, sont tous des personnes qui travaillent très fort et certains même travaillent très, très fort. Et c'est bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on travaille intelligemment? Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a, il y a, il y a un homme qui euh, s'est démarqué et qui, euh, moi j'appelle ça, en fait, le principe de Jétro. C'est qu'à l'époque de Jétro, en fait, c'était le beau-père de Moïse. Moïse est surchargé. Il est sur le bord du burn-out. Il travaille comme un déchaîné. Il, il consulte Dieu, il passe du temps avec les gens, il donne la révélation de Dieu aux gens. Il y il a des journées démesurées, il travaille, 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 mais il est en train de s'enliser. Et là, tout à coup, euh, est arrivé Jétro, son beau-père, beau qui lui a amené euh, une façon intelligente de travailler qui amène au succès. Et ça vaut la peine de lire parce que c'est vraiment puissant dans Exode chapitre 18 et j'espère que ça va te parler à toi parce que ça peut t'aider énormément dans ton ministère. Exode chapitre 18 verset 13, juste une parenthèse pour dire que le ministère, c'est un des endroits où c'est le plus facile de faire un burn-out, d'être surchargé, tout ça, c'est à l'infini. Il y a du boulot à l'infini. Il y a toujours des besoins, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'épuisent dans le ministère parce qu'ils bossent, bossent, ils bossent, ils travaillent, tout ça, ils s'épuisent. Aujourd'hui, je vais te parler de travailler intelligemment. Regarde bien ce qu'il nous dit euh, ici euh, dans Exode chapitre 18, verset 13. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir, des journées qui finissent plus Verset 15, Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. J'en peux plus, ils sont tous après moi. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience dans le ministère, mais des fois, tu as l'impression que les gens ne te lâchent pas. Euh, récemment, j'étais dans une église et le, le culte finit. Je descends d'estrade pour prêcher. Et là, tout de suite, il y a plein de gens qui viennent et là, on prie avec un conseil, un autre, tout ça. Et tu t'aperçois que ça fait deux heures que tu es là en train de parler, tout ça. Et je me souviens une fois, je dis à la personne, je suis désolé, je dois partir, il y a un rendez-vous. Oui, oui, mais encore deux minutes, ça finit jamais. Et je comprends Moïse à ce moment-là. Au verset 17, ça dit, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et j'ai à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu fais n'est pas bien. Tes intentions sont bonnes. Tu te donnes corps et âme, mais ce que tu fais n'est pas bien. Il dit au verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Proverbe 1.5 dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il dit que Dieu soit avec toi, soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte tes affaires devant Dieu. Choisis au verset 21, choisis parmi... Tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu et des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et là voici le punch. Établis-les sur eux comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante et chef de dix. J'appelle ça de l'efficience. C'est-à-dire une gestion collective pour atteindre des objectifs plus grands et plus rapidement. En d'autres mots, travailler de façon intelligente. Moïse, tu vas t'épuiser. Et non seulement tu vas t'épuiser, mais les gens vont devenir de plus en plus frustrés parce que tu ne pourras pas répondre à leurs besoins. Alors, crée des formes, des leaders qui vont s'occuper et qui vont faire la tâche à ta place. Et là, tu vas pouvoir multiplier ton travail, tu vas pouvoir atteindre beaucoup plus de gens, tu vas pouvoir aller encore plus loin et être moins épuisé. Je crois que c'est une clé incroyable. Alors, tout ça pour te dire aujourd'hui que si tu veux réussir dans le ministère, je t'assure, il y a du boulot à l'infini, tu peux travailler jour et nuit. Et il restera encore beaucoup de travail à faire et, et tu, tu ne pourras pas durer dans le temps et tu vas t'effondrer. La clé, ce n'est plus seulement de travailler fort. La clé, c'est qu'est-ce que je peux faire pour travailler plus intelligemment. Comment je peux améliorer ce que je fais pour justement enlever le poids sur moi et libérer davantage. Les gens et les faire grandir et euh, ne pas m'épuiser parce que je suis là pour le long terme. Donc, l'efficience, travailler intelligemment est une clé de réussite dans le ministère. Quatrièmement, ne bâtis pas en fonction de l'opinion publique. Une des choses qui, euh, qui, euh, qui me... aujourd'hui je trouve ça drôle parfois. Euh, dans, pas dans un sens euh, moquerie, mais dans un sens à quel point c'est vraiment euh, c'est vraiment drôle de voir à quel point il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que quand tu avances depuis plusieurs années dans le service pour Dieu, tu, tu vois des choses apparaître, des fois je vois sur les réseaux sociaux, tout ça, je vois des choses apparaître, des, des tendances, en fait. Et là, les gens pensent que c'est la nouvelle tendance, mais en fait, il y avait la même chose il y a 10 ans, puis il y avait la même chose il y a 20 ans. C'est des cycles, des choses qui reviennent, des choses qui sont, euh, on va dire, à la mode, des choses que tout le monde se met à... à, à tout le monde pense ça en ce moment, tout le monde poursuit ça en ce moment. Puis finalement, c'est toujours la même chose qui revient. Et une autre chose que j'ai remarqué également, c'est que tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion sur quelque chose et c'est très drôle parce que des fois, euh, les, leur opinion change. Moi, j'ai entendu, par exemple, des gens faire des déclarations sur les, sur les réseaux sociaux, des euh, influenceurs, tout ça, qui disent des choses et six mois plus tard, ils disent complètement le contraire. Alors, l'idée, c'est si toi, tu bâtis ton ministère en fonction de ce que les gens pensent, de l'opinion des gens, eh bien, ça va être compliqué parce que tu vas toujours être en mode à chercher, essayer de faire ce que les gens veulent, d'essayer de plaire à tout le monde, essayer de satisfaire tout le monde. Et la grande révélation aujourd'hui pour toi et moi, c'est que ça n'arrivera pas. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Alors, ce qui est important, si tu veux réussir dans le ministère, c'est que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu fais ce que Dieu t'appelle. À faire. Tu obéis à la volonté de Dieu pour toi. Tu vas chercher la révélation en Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande de faire et tu te consacres à faire ce qu'il te demande de faire. Parfois, tu vas être incompris, parfois tu vas être même jugé par certaines personnes. Il y en a qui ne vont pas t'aimer, mais toi, tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Et quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on ne peut jamais perdre. Tu peux pas perdre à moyen et long terme. Et parfois, certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec toi au début, qui t'ont jugé au début, peuvent devenir tes meilleurs fans. Je l'ai vécu personnellement dans ma vie. Donc, l'idée, ce n'est ne pas de ne pas être à l'écoute des gens. La, la sagesse est dans la multitude des conseillers, je comprends. Mais ne vis pas, surtout pas en fonction de l'opinion des gens. Cinquième chose qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est soit patient. Soit... Je le répète parce que c'est dur parfois. On a, on a une vision, on a des rêves, il y a des choses qu'on veut accomplir, on, 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 veut, on veut gagner l'humanité pour Christ, on veut être sur Internet, on veut démarrer un campus, on veut publier notre livre, on veut démarrer des groupes maison, on veut partir une école de leadership, on veut partir une école de ministère, on veut former des disciples. On, il y a millions de choses qu'on veut faire. Et là, on veut te faire ça tout de suite. Mais moi, je m'appuie sur Abacuc, chapitre 2, verset 3, qui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'impatience va tellement amener des galères dans ta vie, va tellement t'amener... À faire des erreurs, à devancer le plan de Dieu. Et là, tout à coup, tu vas créer une hémorragie de difficultés. Parle-en à Abraham. Abraham, et on le comprend. Abraham est avancé en âge, il n'y a pas d'enfant. Euh, ils n'ont jamais eu d'enfants. Dans le contexte de l'ancien testament, c'était comme tu, tu, la vie, c'était d'avoir des enfants. C'était comme la le, le postérité, tout ça. C'était un truc qui était vraiment vraiment puissant et important dans la mentalité. Il n'y a pas d'enfants et tout ça. Et là, Dieu lui fait une promesse tu auras une postérité euh, comme le sable de la mer, les étoiles dans le ciel. Et là, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si tu as déjà vécu euh, une, une promesse de Dieu et, et qui n'arrive pas. Et là, tu deviens impatient. Je veux voir les choses arriver. Dieu m'a promis que et, et plein de choses comme ça. Et là, tout à coup, tu Abraham dans Genèse chapitre 16 va au devant. Il va être même influencé par son épouse. Tout ça ensemble, ils vont s'inventer euh, un projet. Et puis finalement, il va aller auprès de sa servante égyptienne Agar. Et puis ils vont avoir un bébé qu'ils vont appeler Ismaël. Et là, ça va déclencher des problèmes, des problèmes, ça va dégénérer entre, parce que finalement, la promesse va s'accomplir, il va finir par avoir un enfant, Isaac, mais Ismaël, Isaac, ça marche pas. Ça marche pas, c'est la galère. Et là, il a créé, j'appelle ça, j'appelle ça se créer un Ismaël dans notre vie, et ce n'est pas une attaque envers le nom Ismaël, mais c'est juste de, de se dire, pourquoi je créerais un Ismaël dans ma vie, c'est-à-dire quelque chose qui va m'empêcher de dormir la nuit, quelque chose qui va créer toutes sortes de problèmes dans ma famille, des choses qui vont créer des problèmes financiers, quelque chose qui va amener des soucis, des poursuites judiciaires. Il y a plein d'Ismaël dans notre vie parfois qu'on va créer qui aurait pu être évité dans notre ministère si on avait été patient. Dieu fait toutes choses à merveille, sur mesure, dans son timing, en son temps, et je te comprends. Je te comprends, des fois, on veut que ça arrive maintenant. Nous, on pense qu'on est prêt. Nous, on voudrait que ça arrive maintenant. Mais le problème, c'est que si je suis impatient et j'active de façon prématurée les promesses de Dieu, eh bien, tout ne sera pas à merveille. Tout ne sera pas dans ce que lui avait planifié. Et là, je vais blesser des gens. Je vais me blesser moi-même. Je vais avoir des pertes financières, parfois, qui peuvent être très graves. Je peux même tout gâcher. Ça arrive à cause de l'impatience. Ceux qui réussissent dans le ministère sont des personnes qui ont appris à être patients. Joseph, avant que la promesse de Dieu s'accomplisse, ça a pris du temps. David, avant que la promesse de Dieu s'accomplisse, ça a pris énormément de temps. Alors aujourd'hui, même si tout en toi, toute l'impulsion en toi te pousse à agir, attends le timing de Dieu, tu ne le regretteras jamais ton futur va te féliciter et tu auras les victoires et les réussites conséquentes. Finalement, sixièmement, la sixième chose qui va te permettre de réussir dans le ministère, c'est de ne pas laisser tes émotions diriger. Il y a un si un endroit où il y a un potentiel à avoir des, euh, des crises émotionnelles de vivre des grandes émotions extrêmes c'est dans le ministère des grandes joies moi je pense que moi dans le ministère j'ai vécu des joies des fois tu te dis c'est pas possible de vivre des, des, des exaltations aussi grandes des moments de bonheur profond des victoires des, des waouh mais en même temps il n'y a pas d'endroit où tu peux vivre autant de de de, de déceptions de blessures, de, de tristesse, de combats, de vallées profondes que dans le ministère. Donc, c'est très, très haut en gloire et très, très bas euh, en, en, en problématique. Et si on vit selon nos émotions, je suis désolé, mais on va avoir des soucis. Ça va être vraiment compliqué. Euh, il y a des fois que tu as des émotions qui te disent de tout lâcher. Il y a des fois que tu as des émotions qui te disent... Euh, de, de faire des choses que tu sais profondément que tu ne devrais jamais faire de dire des choses que tu ne devrais pas dire un moment d'émotion d'un moment de blessure un moment de déception et là tu, tu dis des choses blessantes tu révèles des secrets tu, tu dis des choses qui vont te faire des problèmes pour les années à venir littéralement les émotions vont te, te disent de te rester couché alors que tu sais que tu dois te lever et tu dois faire ton travail. Tes émotions te disent d'aller t'amuser alors que tu as du boulot important à faire. Tes émotions te disent de, de, de vider ton cœur et de, de dire à la personne ce que tu penses vraiment, et là tu vas dire des choses que tu vas tellement regretter par la suite, et les émotions, ça ne finit pas. Et ceux et celles qui réussissent vraiment dans le ministère sont des gens qui ont des émotions comme toi et moi, même chose que nous, mais qui arrivent par la grâce de Dieu à résister, à ne pas obéir à leurs émotions négatives, à ne pas non plus à se laisser emporter dans toutes sortes de trucs à cause des émotions trop positives. C'est des gens qui vont être capables d'être maîtres de lui-même. D'ailleurs, le livre des proverbes est rempli de passages qui parlent d'être maître. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant qu'un héros qui prend des villes. Donc c'est très, très puissant et très important de ne pas laisser tes émotions diriger. Alors que tu regardes ou que tu écoutes ce podcast, peut-être que tu vis justement des moments d'émotion euh, pour toutes sortes de raisons. Et aujourd'hui, je prie vraiment qu'au travers de ce podcast, Dieu te parle parce qu'il y a des belles réussites que Dieu a préparées pour toi. Et ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu es dans une émotion de découragement, dans une émotion d'impossibilité, dans une émotion de, 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 de tristesse, d'amertume, de panique que c'est la vérité et que c'est ça qui va arriver donc l'idée c'est je me sens comme ça je ne peux pas le nier que je me sens comme ça aujourd'hui mais je ne vais pas laisser comment je me sens définir ce que je vais faire je vais faire ce que je dois faire et ça je vais le faire même si mes émotions vont dans l'autre sens je vais dans la direction de mes convictions de ma mission de mon appel et ce que la parole de Dieu me dit de faire et non en fonction de ce que mes impulsions, de mes émotions me disent de faire. Si tu réussis à faire ça, mon ami, eh bien, tu vas vivre des très, très grandes victoires et surtout des très, très belles réussites dans ton ministère. D'ailleurs, c'est ce que je te souhaite, je te souhaite des grandes, grandes victoires et des grandes réussites. C'est ce que Dieu veut pour toi. Alors, si tu veux aller encore plus loin dans la, dans la discussion, eh bien, je t'encourage à euh, accéder. À ma masterclass, comment atteindre les sommets de ta vie. C'est un accès tout à fait gratuit que je t'offre. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo si tu es en vidéo ou bien le premier lien dans la description de l'audio podcast. N'oublie pas de mettre un review euh, des étoiles sur le Podcast Audio si tu écoutes. Abonne-toi à la chaîne si tu es en vidéo. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de te servir et je te dis, sois exponentialisé.